Bonsoir à tous et bienvenue à ce 18e épisode du podcast À la coupe propulsé par MedCub Productions. Cette semaine, on va vous faire un petit portrait particulier advenant une situation catastrophique. Avant toute chose, je vous invite bien entendu à aller vous inscrire sur le alacoupe.ca si jamais vous voulez avoir des informations relatives bien entendu à la LNH, le Canadien de Montréal. Si vous voulez avoir des analyses aussi ou des entrevues exclusives, alacoupe.ca, notre équipe de chroniqueurs travaille très fort là-dessus. Bien entendu, vous pouvez nous suivre également sur Twitter et sur nos comptes TikTok respectifs. Alors là, on a appris dans l'actualité sportive dernièrement que Jonathan Drouin aurait été placé sur la liste des blessés à long terme, ce qui permet de pouvoir réintégrer un gars comme Carey Price. Mais là, advenant que Carey Price revient au jeu puis que, bang, il aggrave sa blessure et pour lui, sa carrière est finie. Quelles sont les options du Canadien de Montréal? On ne se cachera pas des choses, les Canadiens, dans les dernières années, ils n'ont pas vraiment privilégié le repêchage des gardiens dans les premières rondes. Ce qui fait que comment on va réussir à se démerder advenant que Carey Price ne peut pas revenir? Pour faire le portrait de ces options-là pour nous, on a avec nous Sam, le gérant d'Estrade, qui va nous permettre d'analyser un petit peu ça. Mon cher Sam, comment ça va? Salut, ça va toi? Oui, ça va. On va te faire parler d'une équipe que tu n'aimes pas, mais que tu peux quand même analyser d'une belle manière. Effectivement, je suis capable. J'écoute des games. Pas parce que ouais. Je les aime pas que je les écoute pas. Puis je pense qu'on est capable d'admettre que la perte de Carey Price, c'est quand même un gardien de but de génération. Là, fait que c'est quelque Absolument. Chose qui est pratiquement impossible à remplacer à 100%. Tu sais. Mm-hmm. Comment l'organisation va dealer avec ça? Ça risque d'être un gros point d'interrogation. Ça va être difficile. Absolument, oui. Et on a avec nous aussi aujourd'hui notre spécialiste du hockey junior et universitaire, P.O. Normand, anciennement du raccord de Bécomo. P.O. Hey, hey! Bonsoir, mesdames et messieurs. Salut. Bonsoir, mon cher. Ça va bien, P.O.? Ça va très, très bien. Écoute, moi, quand j'ai la chance de venir parler de hockey, je suis un enfant devant... au Toys R Us. D'autant plus que là, on va parler d'éléments que toi, tu connais bien, la NCAA, le junior et tout ça. Parce que je l'ai mentionné en ouverture, mais le Canadien n'a pas vraiment fait de ses choix de gardien de but une priorité dans les dernières années. Je regardais, là, c'est des 5e ronde, 7e ronde. Comment le Canadien peut s'en sortir avec ça? C'est quoi ta relève? Est-ce que c'est juste Kaden Primo? Est-ce que tu continues avec Allen? J'ai fait un peu une recherche aujourd'hui. Je vais vous arriver avec quelques éléments, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient à travers toute la Ligue nationale, qu'est-ce qui pourrait être disponible au prochain repêchage. Et c'est le talon d'Achille du Canadien de Montréal présentement. On a tout basé nos pions sur Carey Price pour les prochaines années. C'est dole. Exact. C'est ton joueur de concession. Ouais, en même temps, quand tu as un Carey Price, tu peux pas vraiment repêcher un gars première ronde. T'sais, c'est comme gaspiller un peu un choix. T'sais. Mais là, vu que Carey s'en vient quand même magané. Puis c'est incertain, je pense que là, ça serait le temps de faire de quoi, parce que présentement, c'est pas la force, mettons. Hein. Mais tu sais, la question que je pourrais te poser, c'est que quand ton gardien de but de concession, Carey Price, arrive aux alentours de 32 ans, il est peut-être le temps de commencer à regarder, à repêcher plus haut que 5e ronde. Dans l'historique de Carey Price, en plus, c'est pas la première fois qu'il est blessé au genou, là, si on se rappelle bien, là, certain Chris Kreider lui avait amoché le genou et ensuite de ça, là, ce qui était revenu des Olympiques de Sochi aussi avait peut-être un petit bobo au niveau des jambes. Donc, il y a un historique du côté de Carey Price. Puis c'est un gardien concession, c'est un gardien qui, à mon avis, devrait être Wall of Fame un jour. Mais du moment où les petits bobos commencent à sortir du côté du Canadien de Montréal, on aurait peut-être dû penser à peut-être la relève. Puis sans repêcher en première ronde, développer au moins quelque chose pour en arriver à pas un scénario catastrophe là, comme on vit cette année. Ben, historique de blessure ou pas, un gardien à 32-33 ans, je pense qu'il faut commencer à regarder parce qu'on ne sait jamais quand ça commence à lâcher, là, si normalement c'est rare que ça revienne. On l'a vu avec Tukaras et Ben Bishop dernièrement en plus.
Puis tu sais, si ton gardien de but, pour une raison X, Y, ne peut pas se rendre beaucoup plus loin, c'est bien que tu aies déjà commencé à former peut-être plus qu'un seul premier choix. Mais mettons que tu aurais choisi en troisième round un gardien, en avoir plus qu'un. Là, on met comme tous les œufs dans le panier de Primo, mais si Primo ne réussit pas. OK, fait que là, on part avec le scénario catastrophe, guys. OK, là, Carey Price, il revient au jeu, bang, il se blesse, il finit même pas la saison. Là, ben, Jake Allen est blessé, mais partons de la prémisse que Jake Allen, l'année prochaine, il est là. Comment est-ce qu'on gauge, on part avec les gardiens de but qu'on a déjà? Est-ce que ça vaut la peine de se dire pour les prochaines années, on veut continuer avec Jake Allen, qui est quand même un gardien de but de 31 ans, il ne coûte pas trop cher, on fait quoi avec lui? Ben, tu sais, si on regarde juste le statut, là, j'ai été visiter nos amis de Cap Friendly, si on regarde le statut contractuel là, des gardiens de but du Canadien de Montréal, oui, il y a Carey Price qui est signé encore pour de nombreuses années, là. Mais Jake Allen est seulement signé jusqu'à la fin 2022-2023. Et si on regarde qu'est-ce qu'on a entre les mains chez le Canadien de Montréal, on a Samuel Montembeault et Kaden Primeau, qui est les deux plus jeunes gardiens avec Primeau qui a 22, Montembeault qui a 25. Les deux viennent agents libres avec restriction de cet été. Donc, il va y avoir des décisions à prendre du côté du Canadien de Montréal. Puis, ben, il va falloir voir est-ce qu'on repêche, est-ce qu'on re-signe et comment qu'on fait ça. On va commencer vraiment avec Jake Allen. Donc, Jake Allen, est-ce que c'est une option qu'on veut garder? Justement, il faudrait qu'on le re-signe. Est-ce que c'est une option qui est intéressante à 30, 31 ans, 32 ans l'année prochaine? Ben, il est là l'année prochaine. Il est signé. Sauf que lui, il va vouloir un contrat après, puis il va vouloir plus cher qu'il est là, parce qu'il est quand même très bien fait. S'il m'attend une bonne saison l'année prochaine, il va vouloir un beau contrat. Puis Jake Allen, selon moi, c'est un gardien numéro 2. Un bon gardien numéro 2, mais c'est pas un gardien numéro 1. Il pourrait peut-être être dans une équipe qui joue 50-50, mais avec le Canadien, je pense pas que tu peux gagner la Coupe Stanley avec un Jake Allen. Fait que pour moi, je pense qu'il faudrait peut-être l'échanger. Peut-être cet été, dépendant c'est quoi ton plan. Là. J'ai pas l'organigramme du Canadien avec moi, mais moi, je l'échangerais parce qu'il y a de la valeur. Puis je pense que les Oilers d'Edmonton pourraient peut-être intéresser à ses services. Mais je l'échangerais parce que je voudrais pas le perdre pour rien l'année prochaine. Peut-être à date limite aussi, dépendant comment ça va. Mais moi, je l'échangerais là parce qu'il y a de la valeur. Okay. De mon côté, j'aime ce que t'amènes, Sam. Mon côté, je suis un peu ambivalent. Dans un scénario catastrophe, qu'on a Allen, c'est sûr que je re-signe Montembeault. Je pense que Samuel a quand même mérité un contrat pour l'an prochain, peut-être pour 2 ans avec le Canadien de Montréal. Quand même âgé juste de 25 ans, donc pourrait très bien se partager la tâche 50-50 avec Jake Allen. Puis ce que Sam a mentionné, là, à la date limite des transactions l'an prochain, Jake Allen pourrait justement faire vers un départ, vers une équipe qui va avoir besoin de gardien de but. Puis Montembeault pourrait arriver peut-être avec un duo là, avec ce qu'on a sous la main. Donc, dans le cas échéant, ça va être Kaden Primeau. Lui et Montembeault pourraient faire 50-50 jusqu'à la fin de la saison l'an prochain. Mm-hmm. Parce que je pense que pour les 2 prochaines années, de toute façon, du côté des Canadiens de Montréal, on n'est pas en situation où on a vraiment besoin de dire hey, « il faut gagner la Coupe cette année ». Seulement de donner de l'expérience aux jeunes, ça va être excellent. 100% d'accord avec vous deux. Fait que, tu sais, pour moi, Jake Allen, je pense que si tu pars dans une perspective de reconstruction, donne de l'expérience à des plus jeunes tant qu'à ça, puis ben, vous le gardez jusqu'à la fin du contrat, là, à ce que j'en ai compris, Sam, un petit peu plus tôt, puis toi, à la fin de son contrat pratiquement, mais c'est pas nécessairement un gars qu'on a intérêt à garder à long terme. Ensuite de ça, on tombe avec Samuel Montembeault qui est sous contrat actuellement, 25 ans seulement, il rend des bons services, il est à renégocier l'année prochaine. Sam, on va commencer avec toi. Sam Montembeault, tu le files comment? Est-ce que tu voudrais continuer plusieurs années? Plusieurs années, peut-être pas plusieurs années, ouais, 2 ans peut-être. À deux, j'essaierai 2 volets parce que si tu donnes un volet à Montembeault puis tu l'envoies des mineurs, il risque de se faire réclamer au balatage par une équipe qui a besoin d'un gardien de but. Mais je donnerais peut-être un 1,5 million pour 2 ans. Je ne sais pas c'est quoi son salaire présentement, mais 1,5 million sur 2 ans, je pense que ça pourrait être bon. Mais je ne donne pas un gros contrat à long terme. Là. Parce que oui, il a démontré des belles choses, mais il n'y a aucune pression cette année. Il goal bien, mais il y a des matchs que c'est difficile. Fait que j'y donnerais ça, un petit contrat 2 ans pour le remercier, mais j'y donne pas un long terme. Puis je suis pas 100% convaincu de Samuel Montembeault comme gardien établi dans la Ligue nationale. OK. Fait que, ben, juste pour ton information, il gagne 750 000. Fait que ça se pourrait qu'il accepte pas un très, très gros contrat. Là. Toi, PO, dans le cas de Sam Montembeault, on part d'après-midi, bien entendu, que Jake Allen n'est pas là dans 2 ans. Là. Ben écoute, du côté de Sam Montembeault, à 750 000 par année présentement, c'est une aubaine. J'écoutais au 91.9 Montréal, d'ailleurs, le François Allaire qui parlait
pour les Panthers de la Floride. Il ne voulait pas s'en débarrasser de Sam Montembeau. Il est encore dans l'échiquier, mais c'est le Canadien de Montréal qui l'aura carrément coupé l'herbe sous le pied. Volé. Donc, ouais, exact. Volé. On va dire les vraies choses. Ils l'ont volé. Puis, moi, ce que je pense, c'est que pour les services de ce que de nos Canadiens cette année, ça pourrait être un 2 ans. Maintenant, du côté de Sam Montembeau, c'est ça que lui, l'intérêt à vouloir un two-way, c'est sûr que ça va être difficile, mais si le Canadien offre peut-être un peu plus d'argent dans la balance pour compenser, ça pourrait être intéressant. Ça reste à voir. Moi, je pense qu'il peut être un gardien de but auxiliaire qui peut vivre peut-être quelques années encore dans la Ligue nationale, mais de là, dire qu'il va être un gardien de but, qu'il va démarrer des parties et être le gardien de but partant d'une équipe à travers la Ligue nationale, donc je crois pas. Mais le two-way, c'est vraiment juste pour sécuriser s'il y a besoin d'aller à HL. C'est sur le père au balatage pour rien. C'est pour ça que je disais two-way dans le contrat. Là. Parce que one-way, il faut que tu passes par le balatage. Mm-hmm. Effectivement. Ouais. Mais je pense un peu comme PO. Je pense que ce serait difficile d'y faire accepter de prendre un two-way. Hein, parce que ouais, c'est sûr que l'agent ne voudra pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais rendant son âge, surtout il y a 25 ans, passé quelques années en Floride, il y a eu un ménage à trois. À un moment donné, on y a cru. Spencer Knight qui arrive. Ouais, quand Spencer Knight s'est fait repêcher, je pense que son rêve vient de s'arrêter là. Et puis, j'écoutais François là, puis ils vont être du côté des Panthers, ils sont bien honnêtes dans ce qu'ils disaient. Là. C'est le fait que Spencer Knight a bien répondu cette année qui a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de placer Montembeau au balotage. Puis, eux-mêmes se sont fait attraper à leur propre jeu. Parce qu'on recule de quelques mois, il y avait quand même trois gardiens plus Knight. Il y avait Brovoski. Après ça, il y avait Montembeau. Il y avait Drager qui est rendu avec Seattle. Mm-hmm. Après ça, il y avait Spencer Knight. Puis tout d'un coup, ils s'en ramassent juste avec deux. Ils ont été eux autres aussi obligés de réclamer au balotage parce qu'ils se sont ramassés dans le trouble. Donc, c'est la preuve que je pense que Montembeau a une certaine valeur. Puis, je vois même à dire que dans un processus de reconstruction, si l'offre peut être intéressante, puis on a des gardiens de but à l'organisation, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, mais mettons que c'est Montembeau qui a plus de valeur que Jake Allen, pourquoi pas faire le move? T'sais, donner la chance à Samuel de peut-être s'établir après ce qu'il vient de vivre cette année. Effectivement. Ouais, ça, pour ça, honnêtement, 100% d'accord avec vous autres. Samuel Montembeau, je pense que c'est un gars qui pourrait être dans un tandem. Je pense pas que ça pourrait être un. Tu sais, je me vois pas, mettons, en séries éliminatoires, dire j'y vais avec confiance Sam Montembeau. Non, mais non plus. Pour moi, c'est un gros point. Ouais, c'est ça. C'est un gros point d'interrogation. Puis je me dis, ça peut être intéressant pour ton organisation d'avoir deux jeunes gardiens puis de faire comme une compétition un peu à l'interne. Surtout que lui, c'est un Québécois. J'imagine qu'il a joué avec l'Armada aussi, junior. Fait que je pense qu'il aime ça jouer à Montréal puis il voudrait rester, mais. Je pense pas qu'il y ait le potentiel de devenir un gardien numéro 2 à régulier. J'ai de la misère. Bon, ça, je vivrais bien avec. Ce qui nous amène maintenant à notre fameux top prospect. Le prospect qu'on voit comme étant celui qui devait théoriquement prendre la place de Carey Price. On parle de Caden Primo. Caden Primo, c'est un choix de 7e ronde en 2017. 22 ans seulement. Là, il joue dans la Ligue américaine. Est-ce qu'on se lancerait, là, Jake Allen, probablement l'année prochaine, en fin d'année, il ne serait plus avec le Canadien. Est-ce que là, on ferait le grand saut LNH? On est-tu prêt? C'est du côté de Caden Primo. Présentement, je vais être honnête, il me surprend du côté de la Ligue américaine. Il est jeune, il a 22 ans. Pour un gardien de but, là, c'est sûr que quand on prend Carey Price, ben, il a commencé tôt, mais c'est pas la même chose. Caden Primo, c'est un projet. Son rang de sélection en parle par lui-même. T'sais, je l'apprécie à cause de sa grandeur, à cause de son size, mais de là à dire qu'il va s'établir comme le numéro 1 dans la Ligue nationale, je pense que je ne jetterai personne à terre ici à soir en disant que je ne pense pas que Caden Primo va être le sauveur à Montréal. Mais non. De là à dire qu'il peut faire une alternance 50-50, je serais très confortable avec ça, de dire peut-être pour challenger avec un Montembeau ou un Allen, challenger l'autre gardien de but. Puis, advienne que pourra peut-être même devenir le numéro 2 par excellence à Montréal si on réussit à trouver un numéro 1. Ouf, OK. Puis, sinon, toi, Sam, comment tu filerais, mettons, qu'Allen n'est plus là, ça serait... Ben, mon plan avec Primo, ça serait de le garder dans HL pendant encore 2 ans. Okay. Cette année, 3 ans avec cette année, mettons, parce que le gars, il gagne national, il est clairement pas à la bonne place. Là. Il se fait démolir, ça brise une confiance, puis une brise de confiance, ça peut briser une carrière. Fait que quand ils l'ont rappelé cette semaine, je leur maudit, il faudrait pas qu'il.
sais, je pense pas qu'il doit être dans les nationales. En plus, les Rockets sont dans une course aux séries. Ils vont faire les séries probablement. Mm-hmm. Ça va prendre l'expérience. Puis il goal bien dans la Ligue américaine. Mais on dit que le step, il n'est pas encore prêt à le faire. Fait que je regarderai encore 2 ans. Puis si tu regardes les gardiens de but, là, tu sais, Shesterkin arrive à 24 ans, je pense, dans la Ligue nationale. Sorokin aussi. Merzlikins à 25 ans. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis il faut que tu sois patient. Parce qu'un goaler, c'est pas pareil comme un attaquant. Même les défenseurs arrivent plus tard. Fait que je serais patient avec Primo parce que je pense qu'il y a un potentiel. Mais est-ce qu'il va devenir le gardien numéro 1 à Montréal? Je pense peut-être pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr maintenant. Juste pour donner là, une notion de grandeur, là, on parle dans la Ligue américaine, 30 matchs, 2,87, 912 d'efficacité. Dans LNH, 12 matchs, 4,62, 868. Fait que ça, ouais, c'est vraiment, dans la Ligue nationale, il n'y avait pas une bonne défensive non plus devant lui qui l'aidait, mais c'est vrai que dans la Ligue nationale, ça, c'est triste. Moi, la chose que j'ai remarqué, parce que j'ai été voir une couple de matchs du Rocket dans les dernières années, puis Kaden Primo, ce que j'aime moins, c'est que souvent, il prend des décisions qui sont à risque dans son territoire. Fait que s'il récupère une rondelle, des fois, il fait des passes transversales devant son filet, puis il y a la nonchalance un peu de Carey Price. En même temps, il reste calme, mais je sais pas. Des fois, il me fait peur, puis l'aspect psychologique, je pense qu'il est un peu problématique dans son cas. Mais ceci étant dit, chez les Canadiens, il faudrait investir là, dans l'aspect psychologique. Là. Je ne sais pas, avoir des thérapeutes ou quelque chose, parce que si tu as plusieurs joueurs qui ont des problèmes avec la pression, maintenant... Mais il y en a des bons, en plus, des spécialistes de la psychologie sportive. Fait que je pense que les Canadiens peuvent s'en payer un. Assurément. Puis tu sais, je veux dire, on parle souvent que Montréal, c'est de la pression, mais c'est ça, c'est un marché qui est différent de Columbus, justement, ou de la Floride. T'sais. Fait que clairement. Faut que tu essayes d'outiller tes joueurs à partir de ça. Là, on a fait le tour de nos gardiens qui étaient sous contrat, mais maintenant, on a quand même des gardiens qui sont dans le depth chart. On parle entre autres de celui qui est peut-être le plus élevé dans nos prospects. On va y aller avec Jacob Dobbs, un choix de 5e ronde en 2020. Il joue dans la NCAA 20 ans. Comment qu'on y va avec Jacob Dobbs? Écoute, je me lance, j'en avais parlé la dernière fois. Pour moi, ça peut être une belle perle rare du côté du Canadien de Montréal. Honnêtement, cette année en NCAA avec Ohio State, très bien fait. Était nommé gardien de but de sa division. Bon gabarit, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 6 pieds 3 du côté de Jacob Dobbs, gardien de but. En plus, check le. Moi, je pense qu'il va continuer son parcours NCAA, puis c'est très bien comme ça, parce que je pense pas qu'on a une urgence de le monter immédiatement. On peut très bien aller avec Allen, Montembeau et Primo, mais si tout continue de bien se dérouler, ben, c'est un genre de gardien de but qui pourrait arriver, puis chauffer Kaden Primo et même le déloger de son spot là, dans un avenir rapproché. Puis une question qui me tente de te poser, Sam, d'après toi, est-ce qu'il serait capable de pas faire la Ligue américaine longtemps, genre faire un step NCAA, puis après ça, LNH? Dobesh? Je sais pas comment tu le prononces. Moi, je dis Dobesh parce que c'est un check, là, mais... Ah, okay, oui, me semble c'est ça, mais moi, je pense qu'il faut absolument qu'il passe par la Ligue américaine. Je pense que tu n'as pas le choix, vraiment. Mais de ce que j'ai vu, moi aussi, j'ai regardé une coupe de games parce que je suis un fan de l'université Ohio State au complet, mais... Il a très bien fait, puis moi, je pense qu'il peut rester peut-être la moitié d'une année, peut-être mettons, il signe son contrat l'année prochaine, il serait éliminé, joue, mettons, une dizaine de games, l'année d'après, si tout se voit bien, il peut se faire rappeler, puis peut-être prendre sa place, mais moi, je pense qu'il faut absolument qu'il aille dans la Ligue américaine, juste pour voir le calibre de jeu, parce que la NCAA, c'est bon, là, mais la Ligue américaine, c'est un step, la Ligue nationale, un autre step. Fait que, je pense qu'il n'y a pas le choix de passer par la AHL. Puis, est-ce que tu vois une notion, exemple, de 2 ans ou d'après toi, c'est une saison ou le step est-tu vraiment gros ou c'est pas tant pis? Ben, je pense qu'avec la saison de l'année prochaine, s'il refait une autre saison comme ça, je pense que ça peut être plus rapide. Mais je pense que pour l'instant, il y a une excellente saison, mais il faut que ça continue l'année prochaine. Il faut pas qu'il y ait un trop gros down. Mais ça peut être rapide dans son cas, puis je pense que j'aime mieux lui que Primo pour vrai. Là. Ça. Ouais. C'est deux gardiens avec deux bons gabarits. Hein. C'est deux gardiens 6-3, 6-4. Fait que c'est le nouveau prototype de la Ligue nationale. Moi, ce que j'aime de Dobbs, c'est que récemment, en 2 ans, il a joué USHL. Quand il s'est amené en Amérique du Nord, il a joué USHL. Maintenant, il joue à Ohio State. Écoute, les 2 années, il a très, très bien fait. Honnêtement, j'aime ton idée, Sam. De mon côté... C'est à voir, c'est sûr que lorsque tu joues NCAA, on a le luxe du côté des équipes et Ligue nationale de peut-être te laisser un peu plus longtemps là-bas pour ton développement. Donc, ça serait à voir.
joue ta saison l'année prochaine, Jakub, et si ça va bien, ben, un petit contrat pour t'en venir à Laval. Sinon, ben écoute, il restera une autre année avant de devoir prendre une décision du côté du Canadien de Montréal. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'on a peut-être plus de temps dans son cas pour l'évaluer. Puis en plus, il joue quand même dans une bonne division. Là, il joue la Big Ten. C'est quand même une bonne division NCAA. Tu sais, comme Harvard, sont dans une division plus faible un peu. Fait qu'ils affrontent des bonnes équipes, là, des grosses équipes NCAA comme Michigan, puis Notre-Dame, des affaires comme ça. L'équipe du Wisconsin était-tu là-dedans? Coco Field, ouais, cas? Big Ten, okay. Oui. OK, puis ça, ça serait genre une des divisions les plus élevées dans la NCAA? Oui, avec la Ligue de Boston, Massachusetts, les affaires comme ça. C'est les deux plus grosses ligues avec North Dakota. Puis c'est comme, il y a comme trois divisions, je pense, qui sont vraiment en haut des autres. Puis il y en a deux autres qui sont moins plus faibles un peu, mais Ohio State sont dans le gros calibre. Big Ten qui est une des plus hautes. OK. Ouais. Fait que ça, c'est probablement le seul qu'on avait dans notre depth chart qui avait une possibilité de venir plus rapidement, mettons. Là, après ça, on tombe avec Frédéric Deschard. Lui, c'est un choix de 5e ronde en 2019, 21 ans. Il joue en Suède, je ne fais pas erreur. Ouais. C'est ça. Lui, est-ce que c'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement à LNH ou c'est un gars qui va être juste Ligue américaine? Ben, honnêtement, c'est un gars qui présentement joue avec des hommes. Là. Il joue en SHL du côté de la Suède, a représenté le Danemark parce qu'il est danois aux Olympiques. C'est comment dire, Ligue américaine peut-être, mais de dire qu'il va venir tout renverser lorsqu'il va arriver du côté nord-américain. On a parlé tout à l'heure qu'il y a des steps à prendre lorsque tu arrives de NCAA à Ligue américaine, à Ligue nationale. Je pense vraiment la même chose pour lorsque tu arrives de Europe vers Ligue américaine, vers Ligue nationale. Dans mon cas, je pense que Deschard pourrait être un gardien de Ligue américaine sans plus. OK. Puis toi, Sam, est-ce que tu le connais un peu ou pas du tout? J'ai jamais vu jouer, fait que je vais être franc, j'ai jamais vu jouer. Fait que là, dans le fond, moi, ce que j'en comprends, c'est que dans les deux cas de Dobbs et de Deschard, les deux gars, dans 2-3 ans, vous les voyez plus Ligue américaine que LNH. Fait que c'est pas vraiment quelqu'un qui va nous aider, mettons. Notre dernier qu'on va faire le tour, ça va être Joe Verbetic, qui joue dans la Ligue de l'Ontario, choix de 7e ronde en 2021, 19 ans. Je pense pas que ce soit un prospect éventuel pour la LNH, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Gros gardien de but. Honnêtement, on parlait de 6-3, 6-4. Lui, c'est le plus gros de la gang, 6-6. 186 livres. Donc, on va dire comme ma grand-mère, c'est une grande asperge. Un cure-dent. Mais, tu sais, honnêtement, il connaît des belles statistiques cette année. Là. Il joue avec North Bay du côté de la OHL. C'est en 28 victoires, 10 défaites, c'est en 44 matchs, 905 de pourcentage d'arrêt. C'est quand même très bien. Maintenant, là, on parle de la OHL, on parle du circuit junior, c'est un gardien de 19 ans. Encore une fois, de mon côté, je suis sceptique. Là, ça pourrait peut-être faire un peu le même mix que Primo, quelqu'un qui pourrait arriver, s'il tombe dans la bonne chaise, pourrait peut-être jouer Ligue américaine, être le gardien partant de Ligue américaine pour quelques années, dépendamment de ce qu'on décide de faire du côté de Primo pour le Canadien de Montréal. Moi, je regarde, là, tu sais, à 905 junior, puis Deschard, lui, qui joue professionnel en Europe, 930, Dobbs, lui, NCAA, 934. Je le sens comme une classe en dessous de tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sam. Ouais, c'est clair que c'est pas les mêmes stats, sauf que la OHL, c'est quand même une ligue offensive. Beaucoup de machines de hockey qui sont là, dont les Knights de London. Je pense que c'est dur à comparer parce que c'est pas axé vraiment sur la défensive. Le jeu, c'est offensif. Fait que les autres, ils jouent dans des systèmes. Tu sais, Ohio State, ils ont un système quand même défensif. Là, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Puis dans la SHL, c'est structuré aussi. Fait que les défensifs, je pense, sont peut-être meilleurs. Mais c'est clair que 905, c'est pas très, très excellent. Mais on va dire que... Je pense que lui, c'est vraiment la HL pour lui. Puis si jamais il se développe comme il peut ressortir, mais je pense plus que les deux autres sont plus intéressants pour le Canadien que lui. Ouais, mais tu n'as jamais trop de gardiens, je pense, dans ton organisation. On peut le voir cette année avec les blessures. Là. Comment qu'on a une montée ça. De gars. Puis, même Andrew Hammond est arrivé, a fait un passage, Joe Bye. Là. Fait, c'est...
Je t'en parle avec les Blue Jackets, on a Jean-François Desjardins. Ouais, exact. Exact. Tu sais, je vais citer feu Marc Bergeron, encore une fois, qui disait on n'a jamais trop de défenseurs, mais à une certaine époque, je vais renverser sa décision en disant on n'a jamais trop de gardiens. Ouais, c'est un fait que là, en ce moment, on a utilisé tous nos gardiens qui sont sous contrat cette année. Là, à part Carey Price qui était blessé, mais sinon, on a utilisé tout le monde. Fait, on est un peu mal pris s'il advienne que là, Montembeau se blesse. Ça va être Primo qui va être notre partant, puis il va falloir qu'on signe quelqu'un, I guess, agent libre. Ça aurait-tu du sens? Ben, dans le cas échéant du côté du Canadien, on a Kevin Poulin qui est disponible. Il a pris part au camp d'entraînement. Maintenant, Kevin a de l'expérience du côté de la Ligue nationale. Je pense que c'est un bon... Ça pourrait être un bon mentor pour Kevin Primo, puisqu'il a vécu, il a vécu sa bosse Ligue américaine, a joué quelques parties de Ligue nationale, il était joué en Europe. Maintenant, cette année, il était de retour avec le Canadien. Le seul match exhibition qu'il a joué, quelques buts. Hein? Ouais, exact. Je trouvais ça vraiment frustrant pour lui. Ouais. Mais je pense que c'est un gars qui va avoir roulé sa bosse principalement en Ligue américaine, puis c'est correct, je pense que ça peut être un bon mentor pour Primo. Je pense que présentement, il y a juste un contrat à Ligue américaine en plus, fait qu'il ne pourrait pas revenir, il ne pourrait pas être rappelé par les Canadiens, sinon il avait s'arrêté, déjà été fait, sinon s'il avait déjà son contrat à NHL. Ben, il y a un contrat qu'on appelle two-way, mais Ligue américaine à CHL. Ouais, c'est ça. Il peut jouer avec les Lions, il peut jouer avec le Rocket, mais il ne peut pas avec le Canadien. Mais s'il signe Poulin, ça tombe dans les 50 contrats que tu peux avoir, puis je pense que le Canadien, avec Harris qui a signé, il voulait garder une marge de manœuvre d'un contrôle. C'est pas mal ce que je pense aussi, là, mais j'assume que à ce moment-là. Présentement, le Canadien de Montréal, après les échanges, sont à 47 contrats. Sur 50. Ouais, exact. Ouais, c'est de la marge de manœuvre. Là, pour l'année prochaine aussi, là, faut qu'il y a, il y a des agents libres, mais il n'y en a pas beaucoup tant que ça à Montréal, là, des agents libres sans compensation. Ben, du côté du gardien de but, on en a parlé tantôt. Là. Du côté des joueurs, on a Tyler Pitlick, Mathieu Perrault, Laurent Dauphin, on a la défense Wideman et Langenson. Donc, tu sais, juste là, c'est cinq gars qui pourraient décoller, mais tu sais, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut des remplaçants. Ouais, c'est ça. Sinon, ben là, mettons qu'on part de cette prémisse-là puis qu'on se dit qu'il va falloir qu'on aille probablement au travers du marché, soit des échanges ou des agents libres. Est-ce qu'il y a des noms qui pourraient être pertinents pour venir aider à court terme? Oui, j'ai regardé ça. Il y a trois gardiens qui sont UFA qui sont intéressants. Je pense à Marc-André Fleury en premier. C'est sûr qu'il est Québécois, il a une carrière exceptionnelle. Finit sa carrière à Montréal, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, le gars, il vient de Sorel-Tracy en plus, tout près. Écoute, finis ta carrière. Je pense que ça serait la meilleure affaire pour lui. Ça serait la meilleure chose pour lui. Mais ça entend que je ne sais pas si c'est possible que ça va arriver. Avec le contrat de Carey Price qui est là, t'sais, ça, c'est si Carey Price est encore là. Mais sinon, il y a Nascar Pisalo, qui est agent libre sans compensation, qui est avec les Blue Jackets. Mais là, des dernières années, ça a vraiment été catastrophique pour lui. Depuis que Merzikins est arrivé, il a perdu sa confiance. Je pense que c'est mental, son affaire, lui. Fait que, il va falloir qu'il rencontre quelqu'un pour régler ça, là, parce que ça ne marche pas vraiment. Ça fait peur un peu dans son cas à lui, parce qu'on voyait comme un espèce de beau tandem avec Elvis Merzikins. Ouais. Ça n'a peut-être pas donné. Mais il y a le talent. Là. Je ne sais pas c'est qui parle de ça. C'est Stephen Waite, je pense, au 98.5, qui disait que c'était le meilleur gardien disponible à date limite des échanges, c'était lui. Sauf que psychologiquement, présentement, je pense que quand Merzikins, il a vu Merzikins arriver, ça a comme flanché. Mais il a le talent. Fait que je pense qu'il y a des goalers qui sont venus là, tu sais, Robin Lehner, il a eu des passes difficiles, puis là, il est quand même très respectable comme gardien de but. Puis sinon, mon nom, c'est Darcy Kemper. Avec l'Avalanche. Oui, Darcy Kemper, l'ancien des Coyotes. Moi, c'est un gardien qui a tout le temps été sous-estimé, c'est un gros gardien. Puis il y a des excellentes stats avec l'Avalanche. Là, vous allez me dire qu'il y a une bonne équipe, mais quand même, il fait les arrêts. Il est solide. Fait que c'est les trois noms que j'ai notés, les trois agents libres sans compensation que le Canadien pourrait
peut-être signé advenant une retraite hâtive de Carey Price. Dans le cas de Darcy Kuemper, je peux dire aussi que même avec les Coyotes, c'est parce qu'il recevait vraiment beaucoup de tirs. Là. C'était peut-être du 30-40 tirs à tous les games. Là. Fait que je pense qu'il serait habitué à ce genre de game-là. Tu sais, il serait pas une défensive poreuse, il serait pas trop dépaysé. Fait que oui, ça pourrait être un c'est pas un gars qui va demander un 8 millions par année non plus. Je pense que tu peux t'en sortir avec 5,5. Pour un gardien, je trouve ça excellent, 5,5 millions. Mais avec un Jake Allen ou un Montembeau, ça pourrait faire un bon duo. Pas un duo pour se rendre à la Coupe Stanley, peut-être pas. Là. Non, non. Mais pour en attendant, je pense que ça pourrait être très, très respectable. Puis je pense aussi au travers de sa personnalité, c'est un style de personnalité qui plairait à Kent Hughes parce que c'est un gars qui il travaille tout le temps, il est pas stimulé, ouais. Il est souriant. C'est un il a l'air à être calme aussi, c'est pas un troublemaker. Là. Non, non, non. On n'a plus besoin de ça du côté de Montréal. Mais c'est sûr que dans les trois noms, c'est Fleury, que ça serait ma priorité numéro un. Je pense qu'en plus, il voudrait le faire. Là. Je me dis, un Québécois qui, à Montréal, il a gagné deux Coupes cette année, une autre finale. Je pense qu'il pourrait venir boucler la boucle. Puis, Marc-André Fleury, on s'entend, là, c'est le gars souriant de la Ligue nationale. Il aurait du fun. Ah, écoute, déjà en partant, tu lui dis que tu as la possibilité de prendre ta retraite devant parents et amis. Déjà pour lui, je pense que c'est quelque chose qui serait bien. Puis si tu veux un bon mentor pour n'importe quel gardien que tu veux former, c'est numéro un, ce gars-là. Ouais. Fait que, il y a ça du leadership, bon. Bonne attitude. C'est un gardien à la technique que j'aime moins. Je trouve qu'il est assez aléatoire parfois, mais c'est un gars qui est capable de rallier ton équipe ensemble. Si tu veux bâtir une identité d'équipe, c'est un excellent choix. Est-ce que vous pensez qu'il serait prêt à signer quand même pas trop cher? Ben, moi, je vais être honnête. Dans ce que je vois et dans ce que je lis, qu'est-ce qui pourrait faire du sens avec la signature de Fleury à Montréal, c'est si on a réussi à amener un gars comme Christopher Lottan. Les deux gars vont avoir tout gagné, ils vont vouloir finir leur carrière devant parents et amis. C'est deux chums qui ont passé une bonne partie de leur carrière ensemble à Pittsburgh. Maintenant, qu'est-ce qu'on lit à travers là, les rumeurs et les sites de cancan, c'est que nécessairement, Fleury serait peut-être intéressé à aller boucler la boucle du côté de Pittsburgh. Là-bas, c'est pas mal de Last Dance. Crosby arrive à sa fin. Nécessairement, peut-être donner un dernier essai. C'est à voir. J'aime bien l'idée Fleury. J'aime encore plus l'idée de Kuemper. Dans mon côté, je pense que jusqu'à temps qu'on a quelqu'un qu'on peut mettre là, dans les buts comme un numéro un, j'irais vraiment pour des tandems. Donc, amener un tandem de Kuemper, Montembeau, Allen, Kuemper, c'est intéressant. On a entendu aussi des rumeurs comme de quoi le Canadien de Montréal se sont intéressés par rapport à quel était le statut du gardien de but, Ilya Samsonov. Lui devient joueur agent libre avec restriction à la fin de la saison. Présentement, il gagne seulement 2 millions de dollars, il a 25 ans. Le problème dans le cas échéant, là, c'est qu'on entend des choses comme de quoi qu'il y aurait peut-être un petit problème d'attitude du côté de Samsonov, mais je pense que c'est un pensée du bien, mais il y a des bonnes questions à se poser du côté du Canadien de Montréal. Se tenir avec Kuznetsov, là, c'est pas la meilleure idée. C'est surtout ça, je pense. Le gars, il est jeune, il débarque dans une équipe où ils font la fête, il va. Ils sont remplis de Russes en plus dans cette équipe-là, Oui, ben c'est surtout que il y en a un qui fait une mauvaise influence, là, qui ne va pas dans le bon sens. Là, fait que, pas mal. Ça l'aide pas. Est-ce que ça l'aiderait Samsonov de changer d'air? Moi, je pense que oui. Il a le talent. C'est un gardien de but là, présentement. C'est Vitek Vanecek et lui qui sont du côté des Capitals. Moi, j'aime bien ce beau petit duo-là. C'est deux gardiens de but qui ont la même âge. Si un changement d'air peut l'aider, go, on y va. Puis ça dépend qu'est-ce qui coûterait pour le Canadien. Est-ce que du côté des Capitals, on veut. Je lance des lignes à l'eau comme ça, là, mais est-ce que du côté des Capitals, on voudrait peut-être aller chercher un gardien de but? T'sais, si on dit un pour un, Jake Allen contre Ilya Samsonov, est-ce qu'on le fait? C'est un pensée du bien. C'est sûr qu'on se rajeunirait et on aurait un tandem de deux gars de 25 ans avec Montembeau et Samsonov. Mais je sais pas. C'est plein de choses aléatoires. Mais plus j'y pense, plus que ce que tu as dit, Sam, le Darcy Kuemper,
J'allongerais un beau petit chèque. Je poserais des questions. Sinon, moi, j'avais deux autres gardiens. C'est des échanges cette fois-là, par contre. Là. Un que c'est vraiment un plan à long terme pour un gardien d'avenir, mais ça coûterait cher. Puis l'autre, c'est un gardien pour, en attendant, ce serait Alexander Georgiev, le Bulgare, qui joue pour les Rangers. Ça fait longtemps, puis on s'entend que Shesterkin, c'est le roi là-bas. C'est le nouveau roi. Il n'y a personne qui va le déloger de là. Fait que je pense que Georgiev se cherche une nouvelle équipe. Est-ce que c'est un gardien qui peut être un gardien numéro 1? Je ne pense pas non plus. C'est pour ça que je dis que ça peut être un tandem. Mais Georgiev, je l'aime beaucoup. Il n'a pas une très bonne saison, mais il ne goal pas beaucoup non plus. Des fois, les gardiens qui ne goal pas beaucoup, c'est dur pour d'embarquer dans un match et faire des arrêts clés tout le temps. Mais moi, c'est un gardien que j'ai confiance, seulement 26 ans. Fait que lui, ça serait un échange. Je pense qu'il y a encore un contrat avec les Rangers. Je pense que c'est RFA. Ça m'arrête genre un offre hostile ou un échange. Puis le gardien à long terme, ça serait avec les Flames de Calgary, Dustin Wolf. C'est un jeune gardien qui a une saison extraordinaire en AHL. Il a 22 ans ou 21 ans, je crois. C'est vraiment l'espoir numéro un des Flames. Mais avec Markstrom, s'il est encore capable de faire 5-6 ans, est-ce qu'il serait prêt à s'en départir? Je ne le sais pas, mais Dustin Wolf, je pense que c'est un futur très bon gardien de la Ligue nationale. Il est très jeune aussi. Okay. Ça coûterait cher, probablement. Ben oui, mais encore, j'aime ton idée parce que présentement, Mark Strump et Vladar du côté des Flames, tu sais, Vladar a quand même juste 24 ans. Mark Strump, ben cette année, il a solide 16 ans. La fenêtre d'opportunité commence à se fermer, là, tu sais. J'ai hâte de voir Johnny Gaudreau nécessairement être signé. Mathieu Tkachuk qui arrive à RFA. Les gros noms là, du côté des Flames arrivent peut-être à la fin. Il y a Andrew Mangiapane qui arrive aussi à RFA. Alors, 30 000, ça va coûter cher. Ouais, c'est ça, exact. Il va falloir qu'on allonge le chéquier. Si du côté du Canadien de Montréal, on offre peut-être, on a deux choix de première ronde à chaque année pour les deux prochaines années. Plus, ben, ce serait pas fou de dire que. À moins d'un cas contraire, je pense qu'on aurait des bonnes munitions du côté des choix. Puis... Mais j'aime ton pick, Dustin Wolf, 20 ans. En tout cas, c'est tentant. 20 ans, je pensais, je pensais qu'il était plus vieux que ça encore, mais il est encore plus jeune que je pense. Ben, il tomberait un peu dans le bassin de joueurs de l'âge des jeunes joueurs du Canadien de Montréal. Lorsqu'on regarde, c'est Caulfield, Suzuki, Romanov, Harris. C'est des gars entre 20 et 24 ans. C'est ça qui m'intéresse peut-être de greffer Wolf à ce place-là. Le Canadien a les choix au repêchage pour aller chercher un espoir comme ça d'une autre équipe qui peut rapporter gros. Mais lui, c'est un gardien de but. Fait que des gardiens de but, des jeunes comme ça, c'est dur de dire « Ah, lui, il va être bon. » Mais pour l'instant, il se développe très bien. Sauf que c'est sûr que je pense que les Flames veulent le garder. C'est ça, je pense que le point, là, moi, que je vois comme un point d'interrogation, c'est que vous me dites comme quoi la fenêtre d'opportunité se referme peut-être, fait que ça serait bien pour eux autres de le garder et de le développer maintenant. Mais tout dépend de Johnny Gaudreau. Si Johnny Gaudreau signe un contrat à long terme avec les Flames, je pense que la fenêtre peut s'allonger. Ouais. Sauf que si Johnny Gaudreau s'en va, je pense à Tkachuk, oui, là, mais Johnny Gaudreau, c'est la bougie d'allumage des Flames cette année. Fait que s'il décide de quitter... Je pense qu'ils vont peut-être s'en aller dans une mini-reconstruction avec des Jacob Pelletier qui s'en viennent. Je pense qu'ils vont, comme entamer une mini-reconstruction, puis ils vont être capables de rebâtir assez rapidement. Si, mettons, tu me dis que Johnny Gaudreau est prolongé à long terme, à ce moment-là, tu me dirais probablement que Markstrom va rester à long terme. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont allonger leur fenêtre. Puis là, c'est là que ça deviendrait intéressant de ce move. Puis je suis pas sûr que. Je pense qu'il va y avoir plusieurs équipes qui vont être intéressées à lui, pas juste les Canadiens. Mmh. Mais tu sais, de toute façon, Markstrom s'est signé jusqu'en 2026. Ouais, lui, il a 32 ans. Présentement, qu'on a une bonne année. Il y a des bonnes vieilles rumeurs comme de quoi Gaudreau, ça serait déjà pratiquement fait là, pour sa prolongation de contrat. T'sais, ça va être un effet boule de neige du côté de Calgary. Là. Mais si Gaudreau signe, ben, ça va nécessairement amener les autres joueurs à se dire ben, « Moi, j'ai le goût de rester dans ce noyau-là. On veut gagner. » Donc, Tkachuk va pouvoir prolonger. Ensuite de ça, ben, je regarde les autres joueurs. On a signé cet été Blake Coleman qui a gagné la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Quand même intéressant. Mangiapane, à mon avis, on doit le signer pour quelques années. Moi, ma question, est-ce que c'est un feu de paille, Mangiapane, maintenant?
Ouais, là, on n'ira pas avec les attaquants des Flames, on va rester avec la fin des gardiens du Canadien. OK, par la suite, toi, tu nous avais trouvé, PO, peut-être des gars qu'on pourrait repêcher. Oui. Ça serait en quoi, première, deuxième, troisième? En fait, j'ai sorti un peu là, qu'est-ce que la Ligue nationale a sorti leur liste en vue du prochain repêchage 2022. J'ai ciblé trois gardiens de but, en fait. C'est les trois meilleurs gardiens de but qui sont répertoriés. Deux qui jouent en Amérique du Nord et un européen. Je commence par le premier, à mon avis, des trois. Il joue pour les Cougars de Prince-George dans la WHL. C'est Tyler Brennan. Honnêtement, je me suis intéressé à lui cet après-midi en lisant un peu sur le genre de gardien qu'il était. C'est un gardien quand même très athlétique, qui est très calme. Donc, fait penser là, un peu à Carey Price. Il n'y a pas une super de belle fiche cette année là, à travers la Ligue de l'Ouest là, quand même. Je pense 11 victoires, 25 défaites, moyenne de buts alloués 3,58. C'est une année vraiment difficile. Par contre, là, lorsque je regarde un peu là, de qu'est-ce qu'on dit de lui, ça pourrait être un gardien de but qu'on pourrait peut-être aller chercher en deuxième ronde cette année du côté du Canadien de Montréal. Ça pourrait être très intéressant là, de mettre la main sur lui. On a-tu beaucoup de choix en deuxième ronde? Je ne me rappelle pas. De mémoire, on a deux choix de deuxième ronde, si je ne me trompe pas. Moi, je pense qu'avec deux choix de deuxième ronde, tu peux en mettre un sur un gardien de but. Oui, on en a deux. Tu sais, des choix de repêchage, il faut que tu essaies des affaires. Puis, vu que tu es Canadien, à un moment donné, tu vas en repêcher un bon. Là, je veux dire, c'est sûr que la loi de la moyenne. Fait que, tu sais, on s'entend que tant qu'à repêcher un joueur, un autre attaquant qui. T'sais, moi, je le repêcherais, ou ben, peut-être pas lui, mais les deux autres, ou les deux autres qui vont nous parler. Ben, t'sais, la raison pour laquelle j'y avais proposé de choix au repêchage, parce que je me dis que les Canadiens, justement, ont quand même, ils ont jamais privilégié ça, puis ils ont quand même plusieurs choix dans les deux premières rondes de l'année prochaine. Fait. Ben, t'sais, juste cette année, c'est tant jamais. Du côté du Canadien de Montréal, là, on a deux choix de un, bon, ça, on les connaît déjà. Les choix de deuxième ronde qu'on a présentement, il y a le leur qui risque d'être assez quand même proche. 33-34, genre. Ouais, exact. Puis l'autre appartient aux Oilers d'Edmonton. Ensuite, ça va en troisième ronde. On a le choix des Hurricanes. Bon, il va être dans le fond. Ensuite, on a le choix des. On a un choix qui appartient au Canada de Montréal en troisième, puis le choix d'Anaheim. Fait que je pense que si on a un gardien repêché, ça va se passer entre la ronde 2 et 3. On en lance de pique. Il y a quelque chose qui peut être intéressant qui pourrait se passer. Du côté de Brennan, est intéressant. Si vous me le permettez, moi, je vous lance déjà mon deuxième. Ça, c'est intéressant. C'est un gardien de but que du côté de Ken Hughes et l'équipe du Canadien de Montréal, on a pu l'observer souvent. C'est Ivan Zigalov. Il joue du côté du Phoenix de Sherbrooke. C'est un gardien de but, bon format. Il est arrivé au Canada cette année. Auparavant, il jouait en Europe, mais c'est un Biélorusse. Quand même intéressant. Il avait été invité. Une chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a été invité par le Canadien de Montréal à leur camp de recrue. À cause de la COVID, il n'a pas été capable de se présenter. Mais je pense que c'est un gardien de but qui pourrait être intéressant. Sur la liste des gardiens nord-américains, présentement, il est situé deuxième en Amérique du Nord. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qu'on pourrait aller chercher. Peut-être, il n'y a pas une énorme saison à tout casser, mais peut-être quelque part en troisième ronde. Puis est-ce qu'il jouait professionnel en Europe? Non, c'est un gardien de but là, quand même jeune. Là, il arrive à 18 ans, donc c'est un jeune homme qui est arrivé. Quand même un bon talent. Bon, on joue avec le Phoenix de Sherbrooke. On connaît le Phoenix de Sherbrooke avec Josué Roy. Cette année, 37 parties jouées, 23 victoires, 10 défaites. Moyenne de buts alloués de 2,85. L'efficacité, c'est là que ça me tente un peu plus avec 0,88. Mais quand même, je pense que ça pourrait être un beau projet pour le Canadien. OK, ouais, ben c'est vrai que c'est intéressant. Puis de la manière que tu me parles, ils le connaissent déjà. Fait que probablement qu'ils ont déjà un œil sur lui. Fait que c'est effectivement. Il y a de la seule affaire qui pourrait faire reculer le Canadien, je pense, c'est peut-être le côté biélorusse là-dedans. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se passer avec des joueurs qui viennent de là puis de la Russie le prochain repêchage. Mais je sais pas si l'année prochaine il va pouvoir jouer dans la GMQ. Je pense qu'ils ont interdit de repêcher des joueurs russes et biélorusses. Finalement, ça n'a pas passé. Okay. Honnêtement, pour avoir discuté avec quelques personnes à travers la Légion majeure du Québec, présentement, on observe vraiment qu'est-ce qui se passe là, du côté de l'Europe. C'est vraiment triste qu'est-ce qui se passe, mais
Si on y va encore, on est dans le scénario catastrophe ce soir, là, mais disons que la guerre est encore prise, c'est dangereux pour les jeunes d'être retournés chez eux. La Ligue canadienne de hockey ne retournera pas les joueurs russes, biélorusses ou ukrainiens cet été. Il y a un système qui va être mis en place pour garder les jeunes. C'est nécessairement ça, faut s'en assurer. Du côté de John Zygalov, ben pourquoi pas? Ben, si lui, il est apte à revenir junior majeur l'an prochain, pourquoi pas le garder au Canada s'il faut cet été? Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Surtout s'il est repêché par le Canadien, ça pourrait être bon qu'il reste. Juste comprendre quelque chose, par contre, là, dans le fond, vous me dites qu'il fallait qu'il retourne en Europe, il n'y a pas le choix, genre. En fait, qu'est-ce qui se passe là, du côté des Européens à travers la Ligue canadienne de hockey? C'est que à chaque fin d'année, tu continues d'appartenir à ton club junior. Je vais donner un exemple bien concret. Du côté de Zygalov, lui, il appartient au Phoenix de Sherbrooke. Du moment qu'il a été repêché lors du repêchage de la Ligue canadienne, appartient au Phoenix de Sherbrooke. Il s'est envenu ici, mais à la fin de chaque année, un peu comme n'importe quel joueur junior, lorsque tu termines ta saison junior majeure, tu retournes. Si tu viens, par exemple, de Bécamo et tu joues à Québec, ben, tu retournes à Bécamo pour l'été, tu t'en vas t'entraîner, tout ça. C'est la même chose pour les joueurs européens. S'ils viennent de la Biélorussie, retourne en Biélorussie pour l'été, dans ta famille, pour t'entraîner, et tu reviens pour le camp d'entraînement. Mais ça n'a pas de lien avec des contrats de travail ou des choses comme ça? Là. Non, du tout. En fait, la Ligue canadienne, ce n'est pas des contrats de travail. En fait, c'est des contrats de joueurs internationaux. Les joueurs c'est un repêchage spécial qui se fait à chaque année. T'es pas, c'est pas à travers le même repêchage. C'est un repêchage spécial qui se fait à travers toutes les équipes de la Ligue canadienne une fois par année. Donc, les joueurs, c'est pigé un peu partout à travers toutes les équipes dans la Ligue canadienne. Donc, si, comme je parlais des Cougars de Prince-Georges peuvent choisir un joueur avant une autre équipe, puis c'est toute la même liste qu'on descend, puis ensuite de ça, c'est au club junior de s'entendre avec le joueur ou le gardien avec qui il a été repêché. C'est deux joueurs par équipe, deux joueurs européens par équipe? Ouais, là, ce qui est touché aussi par rapport à ça, c'est que disons que tu as déjà tes deux joueurs européens, t'as Monsieur A et Monsieur B, lors du repêchage de cette année-là, tu vas tout simplement pas repêcher, tu vas skipper tes tours tout simplement. Mais si, par exemple, tu décides que tu en gardes un des deux parce qu'il y a 17 ans, ben, tu vas utiliser seulement ton choix de première ronde au repêchage européen. OK, c'est bon. Et auparavant, on pouvait échanger ces choix-là, mais ça a créé un peu de bisbille à travers la Ligue junior majeure du Québec, et qu'un règlement, on ne peut plus nécessairement monnayer. Les joueurs euros, par contre, peuvent être échangés à travers la Ligue. Mais ça fait quand même pas mal de joueurs repêchés. Tout le Canada au complet, deux rondes, ça fait une couple de joueurs. Ça fait 120 joueurs. On a 60 équipes junior majeures au pays. Ça fait 120 joueurs qui sont repêchés. Puis des fois, il y a des long shots qui sont pris. Je vais donner un exemple que je connais très bien. Dans les dernières années, le Drakkar de Bécamo avait essayé, il avait repêché au repêchage européen Alex Texier, le français. Finalement, il a décidé de rester et de jouer en Finlande. Et même à travers les années, là, les équipes junior majeures essaient des long shots pour peut-être attirer. En 2002, le Drakkar de Bécamo avait repêché un certain Marianne Gaboric qui avait même enfilé le chandail du Drakkar pour le repêchage, mais finalement avait été repêché par le Wild du Minnesota et avait décidé de s'en aller là-bas. OK, c'est dommage. honnêtement, là, ça aurait été probablement tout qu'un show parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du hockey junior, cette année-là, le Drakkar avait un gars qui s'appelait Yannick Lehoux qui avait tout défait dans les juniors majeurs du Québec. Donc, un duo Gaboric et Lehoux. Ça aurait été dévastateur. OK. Puis c'était qui ton... Là, tu m'avais dit que tu avais trois noms, toi, si je me suis pas trompé. Le dernier, c'est un Européen. Lui, il est un peu méconnu, mais c'est Topias Lehtonen, gardien de but. Là, c'est lui qui est établi comme étant le gardien de but numéro un parmi les gardiens européens. Quand même une bonne stature, 6 pieds 4, 214 livres. Joue en Finlande présentement. Il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à lui. De ce que j'ai pu lire, c'est un gardien de but qui va sortir probablement en troisième ronde. On dit, selon les recruteurs et les gens de là-bas, que c'est probablement
le prochain gardien de but finnois qui va être la fierté de son pays. Maintenant, de là à dire que ça va être le gardien de but qui va tout défaire, je ne crois pas. À mon avis, ça va être un gars de troisième ronde peut-être là, qui va être repêché, mais quand même une bonne stature, mais on a très, très peu de détails par rapport. C'est-tu gardien de la Finlande au championnat du monde junior? Oui, tout à fait. Cet été, il devrait être au championnat du monde junior, ça veut dire? En fait, il y en a deux du côté de la Finlande là, qui sont disponibles. Il y a Topias Lennonen et il y a aussi Niklas Kokko. Coco, présentement, pour... ils ont des beaux noms, puis il y a des trémos qu'on ne comprend pas. Là. Ces deux gardiens de but, vraiment, là, moi, le physique, mais c'est vraiment 6 pieds 3, 6 pieds 4. Les deux sont quand même intéressants. Maintenant, ça devrait être quelqu'un qu'on devrait voir cet été lors du championnat du monde. C'est, les deux ont... On sont quand même jeunes avec 18 ans. Présentement, cette année, là, du côté de Lennonen, on a joué dans la Liga un petit peu. On a joué 4 matchs, mais on a une très, très mauvaise moyenne de 5 buts accordés par match. Mais elle a fait l'équipe des moins de 18 ans. Maintenant, c'est à voir. Là. C'est encore jeune pour juger un gardien. Ça prend du temps. Ben, les gardiens européens ont jamais été marqués comme étant des gardiens que ça éclot dès 20 ans. C'est des gardiens qu'on travaille un peu plus. On prend juste Henrik Lundqvist. Il n'est pas arrivé tout de suite dans la Ligue nationale nécessairement. Sorokin, c'est la même chose. Ils ont passé des années en KHL. Puis lui, tu me dis qu'il a 18 ans, ça veut dire qu'il est comme aller jouer dans une ligue d'hommes à 18 ans pour un goaler. Ouais. C'est rough, pareil. Oui, tout à fait. Mais là, c'est sûr qu'il joue junior dans son pays cette année. Le nom de son équipe, là, j'essaierai même pas de prononcer, les gars, ça va être n'importe quoi. Là. Mais, tu sais, quand même, joue U20 cette année. Sa moyenne est pas mal plus respectable, avec 2,28, 916 de taux d'efficacité. Honnêtement, c'est plus valable. Oui, exact. Mais tu sais, s'il joue avec des gars de son âge, là, c'est vraiment plus respectable. Puis, a joué déjà pour l'équipe de Finlande du côté U16, U18. Donc, devrait faire l'équipe des World Juniors là, prochainement. OK. Fait que si, mettons, tu vas, PO, dans ton meilleur scénario, dans tes trois gardiens de but, là, on pourrait s'attendre, le meilleur des gars, là, on peut s'attendre à le voir dans combien de temps dans la LNH? 5 ans? 4 ans? Ben, c'est des gars qui ont présentement 18 ans. Donc, si on y va pour la courbe de développement, ça va peut-être être 4 à 5 ans. Maintenant, il y a un facteur qu'on n'a pas encore parlé, puis ça, que ce soit gardien de but, défenseur, attaquant, name it, à cause des deux dernières années COVID, les joueurs de 18 ans de cette année n'ont pas vu autant de glace que les joueurs qui ont nécessairement 19, 20 ans, 21 ans. Donc, ça aura de l'impact pour les prochains repêchages. On le voit déjà dans les juniors majeurs du Québec. Les joueurs de 16 ans et 17 ans cette année n'ont pas le même step par rapport aux vétérans puisqu'ils jouaient midget 3. Puis c'était une année où ils ont juste seulement fait des pratiques. Donc, ça aura de l'impact. La pandémie... On a eu plein de bobos là, à travers le monde, mais c'est aussi à travers les ligues professionnelles, les athlètes sportifs, on va le voir. Là, il va peut-être avoir une marque générationnelle que les joueurs de 16, 17, 18 ans, là, présentement, ils vont avoir un peu plus d'attente pour le développement, puis il va falloir être plus patient. Shane Wright n'a même pas joué l'année passée au hockey, fait que ça paraît. Là, il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas joué. C'est là qu'on voit que le talent brut d'un gars se fait valoir, mais c'est difficile pour un recruteur là, d'évaluer un joueur. Pour avoir parlé des amis recruteurs à travers la Ligue junior majeure du Québec, là, l'an passé, là, pour le repêchage l'an dernier dans la Ligue junior majeure du Québec, les recruteurs allaient voir des pratiques. C'est pas de baisse, là. Ouais, c'est pas... Entre vous et moi, là, c'est pas top, là, mais non. On n'avait pas le choix, c'est comme ça qu'on évaluait. Ouais. Puis les repêchages cette année, ben, il y a eu des belles surprises aussi, fait que c'est à voir. Ça va être un fossé générationnel, mais ça fait partie de la vie.
Fait que, tu sais, dans le plan que je voyais comme étant le plan initial, ce serait de repêcher un gars probablement dans les trois premières rondes cette année, mais ça, c'est pas un produit qui serait prêt pour les quatre ou cinq prochaines années. Fait que ça va être au travers soit de ce qu'on a à l'interne ou d'une transaction. Vous aviez de l'air plutôt d'accord pour dire que Darcy Kuemper était une bonne option. Pour ce qui est de Samsonov, j'ai déjà entendu des rumeurs. Gorchev aussi, j'ai déjà entendu des rumeurs. Fait que je sais pas s'il y avait une tendance du Canadien plus vers eux autres. Là. Mais probablement que pour les années à venir, on y va avec un tandem. Puis Jake Allen avec ses blessures récentes, est-ce que... Ouais, aussi, c'est... on en a pas parlé, mais Lenn, pour un gardien de but, c'est pas mal, c'est pas mal la partie qui est plus sollicitée. Fait que ouais, blessure à Lenn, à 32 ans, je pense, c'est 32 ans, Jake Allen? Ouais. C'est plus dur à revenir qu'à 25, mettons. Exact. Puis du côté du Canadien, là... C'est plate à dire, mais la liste, là, cette semaine, bon, paf, Jonathan Drouin, LTR pour le reste de la saison, Perreault au poignet, Jake Allen, paf. C'est sûr que ça a permis de préparer un peu le terrain pour dire on va arriver, puis on va avoir, on fait du cap space management, comme on dit en anglais, de faire un peu de travail pour libérer de l'espace, mais... je sais pas si c'est l'épée de Démoclès ou c'est ce qui arrive nécessairement à cause de la run qu'on a eu pour aller en finale de la Coupe cette année, là. Mais beaucoup de blessures du côté du Canadien, puis des blessures de fatigue, vraiment très spéciales. Mais tu sais, mine de rien, là, si vous regardez, là, le Lightning qui était une machine de hockey pendant la série l'année passée, cette année, c'est une équipe qui est bonne, mais c'est pas une équipe qui est une machine. Fait que tu sais, j'ai l'impression que toutes les équipes ont été fatiguées avec les Mais le Lightning l'année passée en saison, c'était pas une machine non plus. C'était pas, tu sais, il était pas aussi dominant. Puis on sait qu'en série, ils savent que eux autres, ils se disent, regarde, on va jouer au hockey, on va aller faire les playoffs. Puis rendu en playoffs, c'est là que la saison commence. Puis là, on se force. Est-ce qu'il y a un Kucherov aussi? Kucherov, je connais pas. Ça me dit quelque chose. L'effet Kucherov. Mais ils ont une saison correcte. Ils ont presque 100 points quand même. C'est quand même très bon. Ils sont dans la meilleure division de la ligue aussi avec les Panthers, les Leafs. Mais c'est sûr que c'est pas une équipe que tu te dis, oh, je suis à l'aise d'aller prendre la première ronde. Ben, c'est ça. Moi, c'est surtout sur le point que quand je demande à des personnes c'est qui vous voyez en finale de la Coupe, il y a beaucoup de personnes qui vont me sortir. Il y en a qui m'ont sorti les Hurricanes, il y en a qui m'ont sorti les Panthers, il y en a qui m'ont sorti le Wild. Le Lightning est comme moins souvent mentionné. Fait que... Ouais, c'est parce que c'est pas une équipe qu'on a vu nécessairement faire les séries éliminatoires au courant des dernières années. On va être honnête, là, du côté des Panthers, on a manqué plusieurs années. Ouais. Ils ont mangé leur pain noir. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est qu'ils se sont montés une équipe qui va être difficile dans l'Est, mais l'Est est très fort cette année. Là. Honnêtement, je vais faire plaisir à des partisans du Colorado, mais ça risque d'être un walk in the park dans l'Ouest, puis quand on va arriver dans l'Est, il va y avoir des batailles. Calgary ou Minnesota sont pas faciles à battre. D'après moi aussi. Je pense que ça peut. Parce que le Colorado nous a habitués en série à être up and down. Des fois, ils sont très dominants, des fois, ils sont beaucoup plus faibles. Ouais. Avec le Wild, je pense que c'est une équipe qui est bien construite. Puis les Flames. Ils sont tannants. Je dirais tannants. Okay, c'est de façon de voir les choses. Fait que là, on a un consensus. D'après vous, ben, en fait, on n'aura pas au travers du repêchage ou du moins pas à court terme. Donc, ça va être probablement au travers d'une transaction qu'on va réussir à patcher quelque chose. Jake Allen, on n'est pas sûr concernant sa santé. Fait que ça serait intéressant du marché des joueurs autonomes, voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dessus. On est d'accord là-dessus. Yes. Ça fait. Bon, ben les boys, je pense qu'on a fait le tour du dossier. Est-ce que vous aviez des informations autres que vous vouliez ajouter? Ben, de mon côté, c'est du côté de gardien de but, je pense que le sujet est clos. Ce que j'ai hâte de voir, c'est du côté du Canadien de Montréal. Comment qu'on va brasser la soupe pour les gardiens de but prochainement? Puis comment qu'on va aligner nos pions là, pour préparer l'an prochain? Bon, il y a une bonne rumeur que Carey reviendra au jeu d'ici la fin de la saison. L'idée, son jouer du côté du Canadien. Rendu là, si on le ramène du côté Carey Price, c'est pour voir s'il est capable de poursuivre sa carrière. Et pourquoi pas commencer à lancer du côté de Canews des lignes à l'eau pour voir s'il n'y a pas des équipes qui de travailler quelque chose avec lui là, pour un éventuel échange. Mais c'est important qu'il revienne au moins cette année pour voir si son genou tient le coup ou quelque chose. Parce que si l'année prochaine, il joue une game et ça lâche, si ça lâche à la fin de la saison, tu vas te savoir que c'est pas mal terminé. Tandis que bon, moi, je pense qu'il va revenir, mais peut-être pas autant que les autres années. T'sais, il ne sera pas aussi dominant que le mettons en série l'année passée.
Ça serait dur d'en revenir à ce niveau-là, là, pour rien. Ben, tu sais, on va se rappeler une chose, là, Carey Price, en passant avant une série, avait quand même été blessé. Il est arrivé à la dernière minute, avait fait quelques parties avec le Rocket de Laval. C'est vrai. Dans son cas, je pense que son body commence à le rattraper. Puis, c'est un gardien que moi j'aime beaucoup, mais malheureusement, il va avoir des choses, il va avoir des décisions à prendre du côté de Ken Hughes. C'est son âge qui le traîne. Ouais. Bon, ben les boys, un très gros merci d'avoir analysé avec moi la situation potentielle du Canadien pour les deux prochaines années, du moins. Là. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va célébrer, mais on sait jamais. On a peut-être des jeunes qui vont très bien se développer et qui vont nous surprendre. Puis ça serait vraiment super, là, advenant. Fait. Un très gros merci. Un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Non? Merci. Merci beaucoup. Alors, ben, première des choses, un très, très gros merci, PO, d'avoir participé et d'avoir fait une belle liste là, concernant les jeunes à venir. Ça va être le fun de suivre vos repêchages. On s'en reparlera plus proche du repêchage, qu'est-ce qui pourrait être les options. Merci beaucoup à toi aussi, Sam, pour avoir regardé les futurs agents libres puis éventuellement peut-être des transactions aussi. On voit peut-être Darcy Kemper, ça serait pas pire. Darcy Kemper. Hey, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Sam. Et pour vous ici à la maison, ben, encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur le alacoupe.ca. On a pour vous des entrevues exclusives. On a aussi des textes d'opinion. On a aussi des textes historiques et tout ça. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter pour voir toutes les nouvelles chaudes qu'on va traduire en français juste pour vous et nous suivre sur nos comptes respectifs. Je vous dis un très gros merci d'avoir été là et on n'oublie pas, ben, on reste en contact parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci là. Bye-bye.